Décembre 2001. Je rencontre Elsa et les Toufoutoufly à Pontoise, en région parisienne, où la compagnie est installée depuis 10 ans. En février, je rejoins la compagnie à Reims pour un voyage qui va durer 6 mois. Elsa Renoux, dites la crevette. Je n'ai fait que du trapèze volant. Je ne sais faire que ça. Je suis Jean-Christophe. Je suis voltigeur. Mais moi, je suis rentré à 16 ans chez Fratellini. Et j'ai tout appris là-bas. Je suis Pitlam. Je suis porteur. Et de temps en temps, je voltige. C'est la note porteur qui veut me porter. Je m'appelle Sylvie. Au départ, je suis prothésiste dentaire et j'ai commencé par le théâtre, les spectacles pour enfants. Le boulot, c'est de faire le figure et se présenter devant moi. Moi, je voltige, je lui donne mes mains et lui, il les attrape. Son rôle, c'est de m'attraper. Moi, c'est d'arriver à lui correctement. Il faut qu'il me laisse les attraper. C'est mon job de les attraper. Je remets ma vie entre ses mains, entre guillemets. C'est peut-être un peu pompeux, mais quelque part, c'est un peu ça. Quelqu'un en qui je n'aurais pas confiance, je passe pas dans ses mains. Mais si ils sont pas dans la bonne place au bon moment... rien faire. Il était un petit peu tard. Son tour. Ouais. Moi, je leur ai donné plus tôt, mais... Et quand je sens ça, c'était trop extérieur. Moi, j'enlève mes mains. Bah, oui. Ah ouais, avec moi, ouais, c'est sûr. Avec, non, mais il n'y a pas de problème. Je te vois enlever moi, tes mains. Moi, si je n'ai pas prise, si ouais. C'est moi qui tiens comme ça, ouais. Et c'est elle, c'est ma... Non, mais c'est pour moi... Mais quand je sens ça, c'est... Mais t'as peut-être pas tort, hein, mais pour moi, on n'avait pas encore attrapé qu'il a vu que c'était trop loin. Pour... C'est vrai que je t'ai... C'est au moment où t'as retiré tes mains, on s'est touché pour moi. Tu vois, c'était pas avant et je lâche. Moi, ça sent ça, donc j'enlève tout de suite. Ah ouais, non, mais t'as raison. Et moi aussi. J'ai été étonné de partir au filet. J'ai dit, oh merde, il retire ses mains. Mais t'as vu qu'il arrivait bien au filet. Mais putain, de refaire, ça te prend. Ça te prend de refaire. Ah ouais, ça fait clair. Ouais, non, mais aussi, tu repars en me disant, faut pas que je me plante, quoi. Ah bah ouais, là, parce que... Toi, t'as aussi... On travaille avec notre corps tous les jours, on le sent fatigué, pas fatigué, donc on, évidemment on prend un jour tous les jours comme tout le monde, sauf que nous on pousse la mécanique un peu, donc c'est évident qu'il y a un moment où on s'arrêtera. Le jour où je m'arrêterai sur quelque chose où je serai heureux, quoi. Ça veut dire que ça vienne de ma part. Que ce soit pas un bête accident qui me fasse que je peux plus faire, par exemple. Ça, ce serait dommage. Bon, déjà, moi, je me dis, si tout va bien, qu'il n'y ait pas un accident vraiment... J'en ai eu des accidents, mais à chaque fois, ça ne m'a pas empêché de continuer. Si tout va bien, moi, je me dis, vu ma corpulence, le fait que je ne grossisse pas du tout et tout ça, bon, je pourrais, à mon avis, jusqu'à 50 ans. J'ai 41. Donc, à mon avis, je peux aller jusqu'à 50... Si je suis pas trop abîmé. Parce que je sais bien, ça va changer, surtout dans les 10 années qui viennent.
la graine là. Reims, c'est le confort, c'est le luxe du cirque, parce que c'est en dur, on a des loges chauffées, on est tous ensemble pour s'échauffer, ça c'était vraiment le côté agréable, on se maquille, on est ensemble, c'est l'idéal, on était au centre-ville, on n'était pas isolés de tout, on a eu la chance de ne pas avoir un temps trop pourri, et on est arrivé ici, chapiteau, temps pourri, coin complètement isolé, rien aux alentours, le vent, la pluie, donc ici c'est un peu moins confortable, mais c'est... plus le cirque, c'est plus ça le cirque malgré tout. Pour moi, c'est le matériel comme autre, quoi, je veux dire, c'est hyper important. Si c'est un peu trop loin, trop près, c'est un coup à se louper. Donc, c'est vrai que c'est réglé. Il y a une distance qu'on connaît, nous, en tout cas. Et dès qu'il y a un montage, il faut remettre ça au code qu'on connaît. Et puis monter correctement le filet, qui est quand même important si on chute. Donc, tout ça, c'est important. Hein. C'est... On préfère de le monter nous-mêmes. Comme ça, on est sûr, c'est bien en place, il n'y a pas les poteaux qui vont arracher. Parce que si c'est pas bien monté, c'est pas les garçons de piste qui vont tomber par terre. Tu peux pas jouer avec ça, quoi. Tu peux pas jouer avec la vie de quelqu'un là-haut, quand même, pour des bêtises de montage, quoi. Ça peut être très très dangereux, trapèze volant, mais c'est pas obligé, hein. Je m'étais toujours dit, le jour où je suis enceinte, j'aimerais en faire jusqu'au dernier moment, même grosse comme ça. Il y a des choses... J'ai moins de passion là-haut. Bon, je m'amuse toujours autant à chaque fois que je monte. Mais des fois, pour monter, il faut vraiment me pousser parce que si je suis malade en sortant de la caravane et qu'une heure après, il faut que je sois là-haut, c'est vrai que c'est difficile. Le bébé, il commence, hein, il fait son apprentissage là-haut. Là. Une des particularités de Too Foo Too Fly, c'était d'allier musique donc, en live, donc un groupe avec nous. Et également d'y mettre des histoires, de raconter quelque chose, que ce ne soit pas uniquement ce qu'on est en train de faire là, ici, du cirque traditionnel, qui est un aspect du cirque que j'adore, parce que la base, l'essence, c'est ce qu'on fait là. Mais après, on peut chanter, pourquoi pas chanter en faisant du trapèze, pourquoi pas dire quelque chose, pourquoi pas amener un peu le public à nous, jouer un petit peu avec les gens, chose qu'on ne peut pas faire en traditionnel. Il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire en traditionnel. Super héros ! Super héros ! Au secours, super héros ! Au secours ! J'arrive, je mets mon slip et j'arrive ! Si je vais leur dire que c'était bien ou... Non, c'était dur. Elle était très, très, très dure, celle-là. Non, ouais, c'était dur. Elle était très, très dure. Ouais. Très, très dure. Mmh. Je pensais être complètement surprise. Enfin, ou, tu vois, avoir quelque chose, un petit pincement ou quelque chose de pouvoir faire sans moi. Elle doit être dans les rues. J'ai trouvé ça naturel d'être là-bas presque, de regarder. Bah ouais, mais...
En mai 2002, arrivée à 5 mois de grossesse, Elsa quitte le trapèze et la tournée du spectacle Des ailes à nos souliers. Elle rejoint Jean-Michel, son compagnon et cofondateur de la compagnie. Ouais, non, non, mais moi la prochaine, elle est à... Ils écoutent. Qu'est-ce qu'il dit ? Deux mois plus tard, je retrouve Elsa et Jean-Michel à Marseille. Ils s'apprêtent à donner à la compagnie une nouvelle impulsion en créant, à l'occasion du Festival de la Canebière, un numéro qui sera le tremplin vers leur prochain spectacle, Hors Feu. Tout Fou Tout Fly, c'est leur histoire, même si aujourd'hui Jean-Michel ne porte plus. J'aborde ça dans le sens où je m'étais dit, le jour où mon corps il est cassé, je ferai autre chose. C'est vraiment très compliqué de fabriquer, de rassembler des gens, de réfléchir à des projets en amont, et puis en même temps d'être artiste, d'être comédien, d'être acrobate, d'être chef monteur, d'être... Ça fait partie de la vie du cirque, mais malgré tout, quand on peut faire une chose ou une autre, c'est bien. Là, il se trouve que je suis plutôt dans l'autre côté. Là ça va Chico, attends. Vas-y Grégory doucement. Il n'y a que quelques compagnies en France et en Europe qui font du grand volant et à ce niveau-là et qui ont le potentiel de rassembler autant de personnes autour d'un projet. Ouais, donc la commande c'était 15 minutes de trapèze volant, 6 fois dans la soirée. L'objectif, c'est donc, comme vous le savez, de faire un numéro de trapèze à 20 mètres de hauteur devant 1 million de personnes à peu près qui vont défiler dessous et qui raconte une histoire de messager. Donc vous êtes ces messagers-là. Le mieux pour raconter un petit peu plus, c'est d'y aller en musique. Bon, c'est fini la pause. Au boulot. On monte les échelles, on descend les échelles. On va se mettre chacun à l'endroit où il doit aller. Ça, la mise en place, on la fera durer 1 minute, parce que pendant ce temps-là, on ne fatigue pas trop et on est payé pareil. Hein. Sur les plateformes, on fait des pouettes-pouettes. On prend le chapeau après de madame quand elle arrive de faire son passage. Son passage autour du temple, hop, pouettes-pouettes. Ça manque de patates pour envoyer les gens. Ouais. Faut que je te repousse un peu plus parce que. Ouais, faut que tu me pousses. Faut qu'on speed tous les deux plus. Tu m'attrapes. Vous voulez en refaire une autre? Ça remonte. Hop. Et là, ça attrape là, je suis trop loin. Si je joue pas, je vais t'en refiler, c'est sûr, moi. Ça. Voilà. Yeah. Yeah. Commencer à visualiser, peut-être marcher les déplacements et puis après commencer à voir ce qu'on peut faire avec. On peut faire ça même si ça peut être un peu ennuyeux. Ok, donc les départs pour les. Non, tu pars pas, tu fais juste regarder. Donc ça, c'est un peu l'idée. En fait, de là,
C'est à vous de voir, c'est à toi et à Guillaume, de voir une position où tu arrives, puis confortablement, tu peux aller te mettre dans une position un peu de déséquilibre, étant bien, bien calé, quoi. OK, c'est bon. Quand elle est partie, qu'elle va faire sa mise en vente, nous, si on est tous comme ça, on va vraiment voir qu'elle. Mm. OK, on va rajouter un petit truc qui marchait hier, qu'on a essayé. On va faire la réaction. Il arrive, on saute, et puis après, on fait des tours. Et qu'est-ce qui se passe en cas de chute? La voltigeuse sera exécutée immédiatement. Pardon? Il n'y a pas de problème. Après, de toute façon, on ne va pas y arriver du tout. C'est un espoir en soi de se rendre compte que dans les gens qu'on a cherché à rassembler, eh ben, la mayonnaise, elle prend, et puis qu'on va pouvoir continuer à bosser là-dessus et puis continuer à bosser avec ces gens-là. En gros, on est en train de rassembler une grosse famille, quoi. Faire que des gens ils viennent, cousins, cousines, tonton, papa, maman. Ça, tu crois que les mecs rentrent pas dedans, là, les mecs? C'est pareil, c'est Elsa. Donc, La paix, c'est la pureté. On se met tous en slibard et puis c'est tout. Hein. Bah ouais. Voilà. Non, les filles, un soutif blanc, puis nous, on slip. Non, pas de soutif, tu fais chier les soutifs. Ouais, moi maillot, pour, les garçons. Hein. Bah, c'est bon pour le budget aussi, c'est pas trop cher. Attends, ça coûte cher les beaux slips. Ok, le main pied, pied main. Yes. Continue. Comme hier. Pareil. Hop. Oui. Là. Bourbon. Oh pardon. Là, remontez. Ouais, ben on peut continuer. Ouais. Oui, oui, oui. Ah, ça va? Ça va? Ça va? C'est toi, c'est toi, moi, ça va. Faut que tu ailles, tu vois. Recommence tout de suite. Ouais, recommence tout de suite. Ouais, ouais. J'aille loin. Envole-toi. Yes. Ouais, ça fly. Ouais. Parce que après, si je te mets les élastiques, que tu sois. Eh mais c'est pas gênant si tu l'as blanc en dessous. Je l'ai blanc en dessous, ça va. C'est pas très grave en fait. Bah, là, elle est en vrac. Allez, elle sort, elle sort. Oh putain, elle est sortie. Ça va, là, Léon. Là, ça doit faire. Pour le final, bah, parce qu'il faut les fabriquer. Il est tout doux en plus. Ouais. C'est tranquille. Porte-poids.